Alors, le thermalisme, ce sont des soins qui sont délivrés dans les établissements thermaux sur des patients qui viennent se faire soigner pour différentes orientations pendant 3 semaines. Alors, l'Institut du thermalisme de l'Université de Bordeaux a été créé en mai 2000 à l'initiative de politiciens pour essayer de promouvoir cette activité thermale non seulement au niveau du territoire du Grand Axe, mais également au niveau national, dans le but de délivrer des formations spécifiques pour des étudiants et pour développer des recherches, notamment des recherches appliquées sur la sécurité sanitaire. Les équipements que nous avons développés sont présents au niveau d'une plateforme technologique thermale qui est alimentée en eau thermale de Dax, en eau minérale naturelle de Dax, et nous avons conçu des pilotes expérimentaux semi-industriels que nous contaminons artificiellement et pour lesquels nous testons différents types de nettoyage et de désinfection, que ce soit chimiquement ou physiquement, c'est-à-dire par des techniques de désinfection par des produits chimiques ou de la désinfection par la chaleur tout simplement. Alors elle est importante, déjà nous n'avons pas trop le choix que de la respecter puisqu'il y a des réglementations très rigoureuses qui imposent zéro bactérie pathogène au niveau de tous les points d'usage d'un établissement thermal. Donc dans mon métier, j'aime la diversité de mes fonctions, à savoir le management d'une équipe, la mise en place de projets, l'enseignement et particulièrement la rencontre des professionnels dans le milieu du thermalisme, les salons, les congrès. Alors, l'Institut du thermalisme est la seule structure en France dans cette discipline. On devient directeur d'une structure universitaire en s'impliquant dans les différentes missions par opportunité, si vous voulez. Mais il n'y a pas un parcours professionnel ou un parcours d'études spécifiques. Ma formation d'origine, je suis pharmacien. Et j'ai œuvré dans cette activité seulement pendant 2 ans pour après directement intégrer cette structure qu'est l'Institut du thermalisme. Je ne m'imaginais certainement pas être à l'Institut du thermalisme. Comme beaucoup d'enfants, je pense que je voulais travailler dans le domaine de la santé étant issue d'un milieu médical, tout simplement. Je me dis le matin en partant au travail, tu vas avoir de nouvelles choses à découvrir, de nouvelles choses à partager avec tes collègues, avec tes étudiants. Et ce soir, tu reviendras, tu auras encore appris quelque chose. C'est un métier où on apprend régulièrement des choses parce que de toute façon, on évolue dans le monde académique et l'université. Et tous les jours, on apprend quelque chose. Et c'est très riche intellectuellement. Alors un jeune, s'il veut travailler à l'université, il faut qu'il ait... Il faut qu'il ait la passion de partager son savoir avec des étudiants. Et c'est surtout la passion, je pense. C'est pas être carriériste, parce qu'on ne peut pas être carriériste à l'université. Si on veut être carriériste, il ne faut surtout pas venir travailler à l'université. Dans 10 ans, je me vois encore travailler ici, honnêtement. Et j'espère qu'on aura une structure qui aura su développer un certain prestige et qu'on parlera de nous au niveau national comme au niveau européen. C'est possible puisque nous avons déjà des partenariats avec quelques pays européens, notamment l'Espagne. On a un partenariat très fort avec l'Université de Vigo. On a eu des partenariats avec l'Allemagne, un petit peu en Italie, mais j'espère que cette activité va se développer. Place de la Fontaine Chaude à Dax.